Donc 136% de super sampling. Ah, il faudrait que je retrouve exactement le même niveau. Je sais plus quel était le réglage au niveau de la flotte. Bon, c'est pas grave, on va prendre celui-là. Donc là, on tient, en étant immobile, nos 60 images par seconde. Ok, monsieur. Ah, il est en train de se faire castagner. Ex-ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, enfin Castagnette, ou Castaner, l'homme qui aime faire des concours avec une certaine Sandrine Rousseau en matière de déclarations complètement connes. Bon, après il y en a qui ont des prédispositions, hein, c'est comme ça. Et en plus il faut qu'il soit à la REM ou à ELV. Alors là, 136, c'est très bien pour le moment. Même sous la pluie, et aller au-delà de 136 après ce serait possible, je crois. Je pourrais presque faire tourner à 146, sauf que bon, après quand on est sur Riften, 146 ça passe beaucoup moins bien, donc après c'est pour essayer de trouver un taux qui serait uniforme, pour essayer de jouer à Skyrim VR méga mode, enfin mes modes à moi, avec le plus de fluidité, donc une constance de 60. Tiens, saloperie, pendant que je parle, là, tu viens me bouffer les fesses. Hein? Allez, Wolfie, casse-toi, que je te reprenne plus, là. Il y en a un autre? Bon. Tiens, à peine le dos tourné qu'il revient. Et hop là! Voilà, Wolfie. Wolfie qui était le nom du chien dans Terminator 2. Oh non, ah oui, c'est pas Wolfie, c'est Razorback. Je t'ai plus... Oh la vache, il va me... Faut que je monte. Monter sur les rochers, il devrait pas pouvoir me suivre. Ouf. Alors, je me trompe pas de bouton. C'était donc la gâchette, ok. Et pourquoi je me fais chier? Je suis hors de danger. Alors on a un sort de magie, on monte sur les rochers, on a un grand panorama et on tient pas les 60. Ok. Bon, en plus il faut que je redescende. Donc par là, c'était habituellement où j'allais. Mais il me semble que dans cette aventure, je suis parti par là. J'en sais rien, mais je vais regarder sur la carte, avec un peu de chance je vais me retrouver. Ah, Tower Watch, où est-ce qu'elle peut être, là? Ou là? Ou là? J'en sais rien. Ouais, t'es bon, alors. Tu veux vraiment me bouffer toi, hein? Eh ben regarde. Il se casse. Décidément, tout est comme ça. On avance pas vite, on marche, on se promène dans le mode promenade tout simplement. Ah oui tiens, là-bas c'est le repère des dealers. Skooma Land. On va regarder à gauche, à droite. Donc tout va bien, niveau des FPS, enfin voilà, encore une fois. Moi bon, je suis arrivé à proximité de ce machin, donc du coup, ça a perturbé grandement la fluidité de mon ensemble. Bonjour. Là vous avez vraiment une tête de toxicomane, vous, hein. Regardez-moi cette barricade, comme c'est bien trouvé. Une table renversée, il suffit de pousser et hop. Il ne tient pas mes 60 FPS. Ouais, aller au-delà de 136, c'est pas la bonne idée. suis surpris en fait qu'il m'ait pas fait planter le mode pour la pluie là, Mighty Lightning. Parce qu'habituellement on fait 20 mètres et puis hop, la pluie s'estompe. Donc bien content que ça fonctionne. Donc il va falloir que je retrouve la tour de garde. Et ça va pas être facile. Il me semble qu'il y avait un chemin où il y avait des bandits. Donc c'était après dans le prolongement. Ah, on vient de voir un petit loading là. C'est peut-être ces gros cailloux là qui sont texturés autrement qu'avec le mode vanilla tout pourri. Ah ah, serait-ce la tour de garde? J'ai l'impression que oui. Franchement, j'aimerais bien avoir un G2V2 pour avoir les 30% supplémentaires d'axe vertical. D'ailleurs, personne n'en a fait le test. Hein. Si vous avez un lien, merci de le mettre en commentaire. Il y a juste en fait les bouffons de Upload VR qui font nous avons le casque et nous pouvons vous dire que il est différent du premier. Et puis voilà. Puis ils font pas de vidéo, donc de là à leur apporter la moindre crédibilité, je ne saurais trop vous dire. Là je cherche des flèches moi, bon bah voilà, pas de flèches. Ouais. Mais rends-moi mes 60 FPS. Wow. Ah non, ça ce n'est pas la tour de garde, c'est chez les orques. Donc je suis pas encore dans la bonne direction. Et il m'a foutu où sur la carte? Là. Oula. Oulala. Hop. Non, absolument pas le bon endroit. C'était par là. Redwater Dane. Oh là là. Il fallait que je longe en fait la rivière. Donc si c'est cette rivière là. Je suis carrément à l'opposé là. Ah, c'était là alors. Hop, on fait demi-tour. Et j'aurais dû mettre un marqueur. C'est con, hein. Marqueur. Hop. Move it. Ah, ça c'est chez les deux sœurs qui revendent très certainement de la... Comment ça s'appelle? De la Nierne Route. Ouais, c'est le moulin, ouais, c'est ça. Tiens, j'ai perdu mon curseur, ok, c'est par là. On va ranger notre arme de mort. Hop, on va à la lumière. Non, j'ai dit ranger. J'ai pas dit tuer à coup d'épée. Voilà. Salut le beau pion. J'étais parti par là tout à l'heure. Non, je pense pas que j'étais dans cette direction. Là je ne rencontre pas un loup. Enfin si, j'en ai rencontré 5 ou 6 mais habituellement ils sont bien plus nombreux. Alors là si on a un noble qui n'est pas sur son cheval, non apparemment c'est une petite caravane marchande. Donc peut-être qu'ils n'auront pas des visages tronqués. Puisque immersive, je sais plus quoi, une counter ou machin bidule. Ça fait en sorte de faire bugger les tronches. Donc là non c'est là. Bon si il a l'air un peu marron lui hein. Ouh. Porter's Bodyguard et là on a. Ouais il a une tronche, il a une tronche noire aussi. Alors là je suis plus du tout au même endroit. J'ai jamais traversé le pont. Mais par contre... Oh là là, je sais plus du tout où je suis. Là c'est de l'inédit là. C'est plus du tout comparaison au niveau du trajet. Mais c'est pas grave. On va encore un petit peu se balader dans ces bois. Et ensuite on ira à Riften. La grande épreuve. Oh non, 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 mais il est tellement discret lui, hein, petit canaillou. Et là, et en plus, je n'arrive même pas à choper mon épée. Tiens, je te tape en requinquant la santé là, hein. C'est carrément déloyal, mais je m'en fous. Merci à vous. Wolfie et Wolfie. Voilà, ça tourne bien. On n'a pas de traumatisme. Ah yes. J'aurais dû... Immersive, 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 W, encounter, and blackface included. Alors, déjà, on va virer cela. Voilà, hop, ça fait déjà en moins. Oh non, 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 monsieur là. Viens là, espèce de saloperie nécromancien. Voilà. Toujours un plaisir de vous rencontrer, cher monsieur. Oh, 2920 Frostfall, volume 10. On va rester comme ça. Oh là! Ah bah oui, c'était chez Nécromancien, donc du coup là on était en train de... Non mais oh, tu veux arrêter là? Il veut pas hein? Ça c'est parce qu'en fait j'ai ça dans la main gauche et du coup... Ouais c'est ça, parce qu'il y avait en fait healing, il voulait pas arrêter. Hop. La prise de combat... C'était quoi ce bruit? On aurait dit un accordéon qui était en train de suffoquer ou en train de sortir ses dernières notes. Est-ce que je suis dans le bon sens? Ou à rivière? Non, pas du tout. Là on a des habitations dans un petit village, c'est pas grave. Là on a un renard en fait qui aime faire le sous-marin parce qu'il est sous l'eau. Il utilise sa queue apparemment pour nager. Waouh! Yes! Là en fait on a le... Ah c'est le mont Hrothgar. On arrive à ce village. Perdu au pied de la montagne. C'est pas ici. Okay. Là que le est-ce que tu vas planter? Non, il a du mal à lire les textures, mais par contre, tout va bien. C'est malheureusement les inconvénients des modes. C'est vachement plus beau. Mais il y a une contrepartie. Comme quand on vend son âme au diable. D'ailleurs, le diable n'existe pas. Bon, vous n'avez rien perdu. Mon exemple est donc bidon. Il faudrait que je la change cette peau là, normalement elle a été changée en très haute définition, en haute définition, il faudrait que j'ai un mode spécial pour celle-ci. Alors il continue à discuter, peu importe en fait s'il pleut, il neige ou alors même s'il y aurait des météorites de feu, Ils sont en faute. Ah, on va essayer de monter. Ah si, je vais le taper en fait normalement des créatures, des loups ou alors autre chose qui vont me faire passer de vie à trépas. Elles sont géniales, ça marche. Avec le mode. Si on regarde, ouh il émeut pas, pourtant on voit pas grand chose hein. On a juste un immense panorama qui est masqué par la brume ou la bruine ou les deux. Mais bon, c'est pas dramatique, loin de là. C'est génial. Voilà, mais encore une fois. Ah, il est tout seul, ils sont pas deux à me fixer jusqu'à ce que j'arrive suffisamment proche pour que finalement leur instinct de survie se mette en route ou en branle. Et à ce moment-là, ils partent vers le sommet pour gravir les 7000 marches et se faire bouffer par des loups. Ou alors des grizzlies ou d'autres saloperies, là, des trolls des neiges. Ah, lui, il est au club lecture. Et au club lecture, on lui dit... Ah voilà, c'est ça, bah, c'est encore une fois, les hommes sont nés, ils se sont répandus à la surface de la Terre, les dragons, en fait, étaient sur la masse laborieuse, sur les travailleuses. Ah, ça y est, j'ai plus de neige. Enfin, j'en aurais peut-être... Oh la vache. Là, franchement, avec le... Ah, ça y est, ouais. Oh, j'ai ma buée. Par contre, quand on regarde, ça rame un peu, mais c'est surtout sur l'overlay, pas au niveau du jeu, un 45 là, mais avec l'effet de brouillard, oh. Puis c'est génial en fait de voir en asynchro ou synchro justement, de voir de la buée sortir de son casque, ah ouais c'est quand on parle. Yes, magnifique. Le jeu le plus beau, c'est celui-là. Et il le restera jusqu'à la fin des temps, car les loups y veilleront. Aïe, aïe, aïe. Hop, on va prendre ça. Non, mais je peux pas me tourner, monsieur. Voilà. Putain, il est balèze, lui. Je me soigne, mais ça va pas le faire, je pense. Alors, monter le Mont Hrothgar. Oh la vache. Monter le Mont Hrothgar, mais pas avec le niveau 1, s'il vous plaît. C'était pas conseillé. Bon, c'est parfait. Ça me fait une jolie vidéo sous la pluie. Et c'était, malgré tout, dans l'ensemble, extrêmement bien au niveau performance.